Donc on va se diriger vers le troisième étage. Nous sommes au dernier étage donc, du musée. On voit d'ailleurs une belle vue sur le site, puisque le site est fermé à la visite libre au public. On peut le visiter sur demande en visite guidée. Mais la meilleure vue qu'on en a, c'est quand même depuis le troisième étage du musée ici. Et maintenant qu'on a installé cette maquette du site, ça permet de se rendre compte que les vestiges qu'on voit correspondent à des volumes et à une emprise aussi assez importante dans l'Antiquité. Donc là, la maquette, elle montre la Tarave dans les années 200 avant Jésus-Christ, donc 300 ans après sa fondation. Mm-hmm. Mais les éléments marquants qui sont le rempart et puis l'organisation en ruelles très étroites, comme ça, sont présents dès les premiers temps de la ville. Et puis surtout, pour le public, puisqu'on parle de port, on comprend qu'effectivement, l'eau de la lagune arrivait au pied du rempart à la fondation de la ville. Et c'est la raison pour laquelle le site est là où il est aujourd'hui, ce qui peut paraître un petit peu étonnant dans ce quartier de villa du sud de Montpellier. Alors on n'en voit qu'une partie évidemment, puisqu'on voit effectivement les habitations autour. Mais la quasi-totalité du site intramuros est préservée sur la parcelle. D'accord. Qui est devant nous. Vous avez ici au nord la porte nord du rempart sur laquelle se trouve actuellement le parking du musée. Et puis le musée est juste en face dans un bâtiment qui se situe au-delà en fait, de ce bras qui est aujourd'hui un bras mort du Lez. Et donc on a une vue vers l'ouest qui donne à peu près la totalité du site. Les premières villas sont installées sur la porte ouest en fait, du site, mais on a, à l'exception du parking et des villas, la quasi-totalité de l'intérieur de la ville qui est conservée. Par contre, effectivement, comme le site s'est étendu sur une vingtaine d'hectares dès cette époque-là, et encore plus à l'époque romaine, une bonne partie des vestiges extramuraux sont recouverts par les habitations des années 70-80. Alors là, le site de fouille, visiter, une nouveauté. En juillet et en août, tous les matins, on propose une visite guidée du site archéologique qui démarrera bien sûr ici dans le musée avec la maquette et puis la restitution aquarellée pour bien comprendre ce qu'on va voir après sur le site. En semaine, donc lundi, mercredi, jeudi, vendredi, puisque nous sommes fermés le mardi, tous les matins à 10h, une visite d'une heure à peu près qui démarre à l'accueil du musée sur le mois de juillet et d'août. Et l'aquarelle, la reconstitution de quelle époque ? C'est la même époque, on est aussi en 200 avant Jésus-Christ, donc c'est Jean-Claude Golvin qui l'a faite pour nous au même moment de la mise en place de la maquette, c'était au moment de l'exposition sur les objets racontent la Tara. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant avec l'aquarelle et qu'on peut plus difficilement faire avec une maquette, c'est qu'on peut rajouter des personnages, rajouter de la vie, et vous avez ici donc une proposition de ce que pouvait être cette ville dans les années 200 avant Jésus-Christ avec l'organisation des rues, les organisations du port de stockage, mais aussi la partie avec les pêcheurs où vous avez les filets, le traitement du poisson. Et puis c'est ce double port, en fait, ce port qui donne sur la lagune, qui va elle-même ouvrir après sur la mer et les contacts méditerranéens. Et puis aussi un port le long d'un des bras du Lez qui permet de remonter vers l'intérieur des terres, notamment vers Castelnau-le-Lez, qui est aussi un site très important de cette période-là. La chance de la Tara, c'est que la ville médiévale et moderne de Latte s'est construite à côté du site archéologique. C'était un port très actif, en tout cas, à l'époque. C'est un petit peu... C'est un port très actif dans cette partie-là du Languedoc, surtout, disons, jusqu'à l'époque romaine ou jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. À la période augustaine, donc sous l'empereur Auguste, le premier empereur de Rome, donc à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, on a une réorganisation du sud de la Gaule, et la Tara va être rattachée à la cité de Nîmes, qui va devenir la grande cité... la cité importante, la capitale de cité du peuple des Gaulois qui sont installés ici, qui s'appelle les Volcarecomiques. Et donc la Tara, à partir de ce moment-là, va perdre son indépendance politique et probablement aussi son importance commerciale. Et on va voir la cité décliner petit à petit et être abandonnée dans les années à peu près, disons, 200 après Jésus-Christ. Puisque le choix de Rome, c'est de valoriser les deux grands ports que sont Narbonne et Arles, et les grands trafics vont passer après, à l'époque romaine, par ces ports-là. Donc la période vraiment passionnante pour la Tara est intéressante, elle est plutôt avant l'époque romaine, à partir de sa fondation, voire un petit peu avant, puisque les contacts avec les Étrusques et les Grecs démarrent bien avant, mais à partir de 500 avant Jésus-Christ, jusque dans les années 100 avant Jésus-Christ, on a là 400 ans d'une ville de 4000 habitants, à peu près 5000 habitants, qui est extrêmement actif.
nouvelle pause dans la visite du musée Latois Henri Prade. Il est temps de retrouver la rubrique recette du jour et elle aide la cuisse aujourd'hui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Vivian, je suis restaurateur à Nîmes. J'ai le restaurant Le Fanfaron, place 6 place de la Révolution, mais à Nîmes. Je vais vous présenter une recette à base de grenouilles, les grenouilles à la provençale. Alors, comme ingrédients, il vous faut du sel, du poivre, des cuisses de grenouilles, 9 belles cuisses de grenouilles, ça fait une portion à peu près de 300 grammes, de la farine, un citron, de la persillade et du beurre et un peu d'huile. On va éponger les cuisses de grenouilles, bien les sécher pour que la farine puisse accrocher à la cuisse de grenouille. Après, je vais allumer mon fourneau. Voilà. Nous allons y mettre du beurre, deux bons morceaux de beurre, à peu près 50 grammes, oui. On va faire fondre tout doucement. On baisse le feu. Je vais prendre les cuisses de grenouille que je vais fariner, surtout pour le donner le côté croustillant aux cuisses de grenouille. On les farine les unes après les autres. Je tapote pour enlever l'excédent de farine. Je monte le feu un tout petit peu pour voir si le beurre est assez chaud. Je rajoute juste un peu d'huile de tournesol pour éviter que le beurre brûle. Une fois que le beurre est bien chaud, je dispose les cuisses de grenouille dans la poêle, de préférence anti-adhésive. Toujours le côté plat en premier. Voilà. Et je rebaisse un petit peu le feu. J'attends. Je vais saler et poivrer. Une bonne pincée de poivre. Je rajoute un morceau de beurre que je disperse dans la poêle. Je baisse un peu le feu. Voilà, on attend. Je dispose le beurre de partout. Du temps, je vais historier le citron. Alors, je coupe le citron pour la présentation. Hop. Je coupe les deux extrémités. Ça s'appelle historier un citron. Une fois fini, voilà. On réserve. Du temps, nous allons retourner tout délicatement une cuisse de grenouille. Je monte un peu de feu. On les fait cuire de façon qu'elle soit bien dorée et que la farine va faire une légère, on le voit là, une légère croûte pour qu'il y ait le côté croustillant dans la bouche. Du temps, on va préparer une assiette pour dresser les cuisses de grenouille, un peu de paprika. Après, nous mettons le citron au centre de l'assiette. On retourne une seconde fois. On voit là, le côté croustillant commence à se former. On va resaler, repoivrer. C'est une recette qui fait succès chez moi. On en met pas mal. On va faire sauter les cuisses de grenouille pour bien tout mélanger. Pas d'aromate, rien. On va y ajouter notre persillade. Persillade. Voilà. Et là, pareil, on fait tout ressauter pour bien tout mélanger, tout enrober. On arrête et on dresse. On prend une pince. Voilà. On partit bien. On ramasse les petits morceaux. Et après, avec le jus, on nappe. Les cuisses de grenouille. Voilà, la recette est finie. Voici le meilleur moment, la dégustation. Le musée archéologique est situé à proximité de l'antique Latara, port important de la Méditerranée occidentale, installé dans l'ancien delta du fleuve côtier le Lèze. Il fut occupé du 6e siècle avant notre ère jusqu'au 3e siècle de notre ère. À partir de 500 avant Jésus-Christ, jusque dans les années 100 avant Jésus-Christ, on a là 400 ans d'une ville de 4000 habitants, à peu près 4-5 000 habitants, qui est extrêmement active.
Et depuis, donc, l'eau a disparu sur le site. On n'a plus du tout... Voilà, et petit à... Donc ça, c'est de toute façon le destin de ces zones lagunaires et de ces étangs, c'est d'être colmaté par les alluvions qui sont charriées par les fleuves. Mmh. Et plus l'activité humaine agricole est intense dans... en amont de ces fleuves, plus il y a d'érosion et donc plus il y a de, d'alluvions qui descendent. Ah, donc, à partir de l'époque romaine, ce phénomène s'est accéléré. Et aujourd'hui, il continue, hein, ce qui fait que le destin de cette lagune, c'est de disparaître complètement. Aujourd'hui, elle fait 50 cm de profond, alors qu'on avait plusieurs mètres de profond, ce qui permettait à des grands bateaux d'arriver jusqu'à l'âtre. Quelles sont les autres pièces que l'on trouve à cet étage ? Voilà, alors ici, il y a notamment l'inscription dont on parlait tout à l'heure, qui est fondamentale pour la compréhension du site et surtout l'attribution du nom. Donc voilà l'inscription. Et en fait, c'est une inscription qu'un certain Titus Epilus Astrapton, donc un personnage qui porte un nom grec, et ça c'est intéressant aussi parce que ça montre que dans cette population dont le substrat est principalement gaulois, il y a aussi tous ces contacts. Là on est au 1er siècle après Jésus-Christ, mais ça montre que dans les siècles qui précèdent, on a ces contacts avec le monde grec et que certaines personnes vont continuer à porter des noms grecs. Et ce Titus Epilus Astrapton, au nom de deux corporations de Latte, qui montrent là qu'on est dans une ville commerçante, hein, que sont les fabris, ça veut dire les charpentiers, probablement peut-être les constructeurs de bateaux, et les utriculari, les utriculaires, qui sont, on n'est pas très sûr, mais des gens qui sont en tout cas impliqués dans le commerce peut-être fluvial, mais aussi dans des outres à dos de mulets, donc qui font du transfert de marchandises. Donc ils remercient le dieu Mars au nom de ces deux corporations, donc probablement qu'il y avait une statue qui accompagnait cette stèle. Et il précise donc que ces charpentiers et ces utriculaires, ils sont dans la cité des Yatarenses, des Latarenses. Et donc on a Yatar, Latar, qui est la preuve irréfutable qu'on est bien à Latara. Donc c'est vraiment une pièce importante pour reconstruire le puzzle. Fondamental, tout à fait, tout à fait.